Jump drive activation in T-minus 3, 2, 1. The world has to know what's waiting for it out here. The nightmares and the wonders that we've seen. Bonjour à tous, bienvenue dans le jeu The Long Journey Home. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1, je vous le conseille, ça vous expliquera les bases du jeu. Quant à nous, on va attaquer aujourd'hui la saison 2. Alors, nous sommes au mois d'août, je suis en vacances, j'ai tourné d'avance quelques épisodes. Soit il n'y en aura qu'un par semaine, et si j'ai le temps, un peu plus. On verra bien quand je planifie ça. En tout cas, c'est parti, on va commencer une nouvelle mission. J'ai commencé à réfléchir déjà à l'équipage. Alors, le chercheur, du coup, il m'a servi absolument à rien. Donc, je vais plutôt prendre la jeune Zoé avec son ordinateur pour analyser plein de choses. Très pratique. Lui, Simon Castillo, il me servira juste pour le kit de récupération. On le verra se sacrifier peut-être pour miner, exploiter les planètes, les lunes, tout ça. On verra. Je tiens à mon botaniste pour des médicaments. Et évidemment, à l'archéologue. Le reste, ce n'est pas indispensable. Boîte à outils, répulsif, réparation, ouais. Voilà. Le vaisseau, on avait fait pas le Discovery, on avait fait l'Ulysse, qui était moyen, que j'ai réussi à gérer sans problème, gros espace de chargement. Si je prends le Discovery, les sauts manœuvrabilité excellente, mais alors le blindage de la coque et réservoir bof. Donc je pense plutôt prendre l'Endurance, petit saut, mais alors énorme, énorme pour le reste. On est d'accord pour lui. La couleur, oh, jaune, bleu, merci de ne pas changer tout. Qu'est-ce qu'il pourrait me plaire comme ça? Un beau rouge? Oh, un rouge sang. Le noir est pas mal, hein? Ah, tiens, allez, pour une fois, je vous fais plaisir. On va prendre le noir. Est-ce qu'il y aurait moyen de changer autrement? Peut-être à la souris, j'ai pas envie. Alors, on avait pris aussi comme explorateur l'Odyssée. L'Odyssée qui est blindé à fond, mais qui n'a que deux espaces de chargement, deux sortes de ressources. Le Serenity en a trois. Lui, on a aussi trois, mais beaucoup moins. On va prendre le Serenity. La graine. Tiens, Serenity, c'est marrant. Bah, la graine, on va faire original aujourd'hui. Voilà, des camons. Et pour démarrer, on reste en mode aventure. On va prendre explorateur, ni histoire, c'est débutant. Donc c'est mode aventure. Et on va zapper la Terre. Nous, on va directement commencer après le saut. C'est parti! Et voilà, on se retrouve à l'autre bout de l'univers. On connaît le principe, on est arrivé dans un cimetière de vaisseaux, on a récupéré un artefact. Du coup, on sait aussi qu'il faut être prudent. On va tout de suite miner, exploiter tout ce qu'on veut. On a quoi là? La verte, je pense que c'est une planète contaminée. Il y a un vaisseau ami qui arrive vers nous. Et nous, on va se mettre en orbite de cette première planète. Tout de suite. Alors, contact, allez. Première race alien de la saison 2. Qu'est-ce qu'on va choper comme ami? L'Union Vitis, tout de suite, ça c'est bien. Avatar de floraison de l'Union Vitis. Bon, on va ouvrir le dialogue, hein, on dit oui. La plante fait une pause avec une branche et des gesticules pour indiquer une planète de ce système. Ok, il va falloir qu'on y aille. Emplacement de l'astroport et du portail ajouté à la carte galactique. On dirait des endroits de commerce. Très bien, c'est cool ça. Et si je vérifie, on peut pas encore. Bon. Voilà, on va décoller du lieu de rencontre.
Allez. Et on voit où on doit se rendre tout à l'heure. Donc nous avons gravité moyenne, convection moyenne, atmosphère épaisse, pas de structure, pas de forme de vie, pas de danger. Tout est peu commun. Aluminium, phosphate, ouf, eh ben ouais. Alors, dans les quartiers, on va envoyer qui? Le botaniste peut-être? Qui a déjà une commotion. Il n'y a pas de vie. Donc allez, on envoie Simon. J'avais dit qu'il servait à rien. Avec ce nouvel explorateur. Bon, ça fait plaisir de se retrouver comme ça. Vertical, vertical, poussez, pousse, 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 vite, vite, vite. C'est bon. On a réussi. On va commencer par l'icône vert, vous savez, c'est le carburant pour les jumps. En douceur, tech, en douceur. Là, le phosphate, c'est génial. Voilà. On est tout de suite dans la zone rouge. Je vais pas insister. On va voir pour le métal. J'essaie de pas trop consommer de carburant. Voilà, doucement, doucement. Je peux forer, c'est bon. Et là, on est dans le rouge, d'accord. Oh, yeah. Qu'est-ce que je fais? Le tour de la planète par là. On va dire que là, déjà, c'est une bonne pioche, on gère bien. Vu la gravité, faut pas que je sois en dessous de 30% de carburant, je pense pas. Allez, on change, voilà. Il fait nuit. Il y a du vent. Du brouillard. Allez, voilà, super. On va se positionner au-dessus du gaz, si je peux, avec le vent. J'en ai eu un. Deux. Oh bah, j'ai tout eu. Écoutez, l'explorateur est plein. C'est génial. La maîtrise est là. Oui. Retour sur l'ordre des France. Ça c'est cool. Donc ça c'est bon. En ressources. Bah du coup c'est excellent. Et on est plein. Vous voyez que là j'ai encore la place pour avoir une unité différente. Aluminium, cuivre. On avait du cuivre en cadeau de départ, c'est cool aussi. Et maintenant, est-ce qu'on se rend à ces planètes là ou est-ce qu'on va d'abord visiter un peu sachant qu'on veut d'abord se barrer nous. On va plutôt se rendre là où nous dit l'Union Vitis. Après tout, je suis carrément full, pas besoin de butiner. On pourrait changer de galaxie, mais il nous faut du crédit pour payer l'astroport. Allez, on accélère au moins jusqu'à 1,5-2. Allez, pousse. Voilà. Alors, est-ce que je vais réussir à battre mon record de 3 galaxies? J'étais maudit, hein. Suffocation, fallait le savoir. Plus de carburant dans le vaisseau, suffocation. Système de survie en panne, n'empêche. C'était complètement dingue, ça. Attention. Voilà. Aérofreinage. Et non, même pas besoin. Quand je parle comme ça, j'ai envie de jouer à KSP, moi. Alors, de l'hydrogène et de l'hélium. Prison de mission, liquide, faible, tempéré. Gravité faible, convection aucune. On va peut-être envoyer le botaniste. Allez, H, c'est à toi de jouer. On voit les cités de l'Union Vitis, là c'est bien lumineux. Du coup, où la planète est habitée, je ne touche pas aux ressources. Allez, on va freiner, on va pas s'écarter. Voilà. Et on va se poser au port de la planète, à l'astroport. Ah oui, c'est vraiment une gravité faible. C'est joli en tout cas.
On est arrivé à quai. Ce qui semblait être une ville sur les scanners est en réalité un arbre géant dont les racines s'étendent sur plusieurs kilomètres. Il arrache l'une de ses petites branches avec deux plus grosses et les étend jusqu'à l'explorateur. On nous offre la branche d'Yggdrasil. Ok. Nouvel artefact. Être un cœur d'Yggdrasil en pleine saison de floraison. Avoir secouru celui-ci du crash. Être capable de rien de plus. Demander votre aide. Ah, il a sauvé, d'accord, un Elitza. Grande, tentaculaire et très parfumée. Donc ça, c'est une race plutôt esclavagiste, si je me souviens. Ok. C'est cool. Être heureux de votre arrivée. Retourner en sécurité auprès de leur race. Demander travail. Voilà, on connaît ça. Ils veulent qu'on aille chercher du pollen sur d'autres planètes. On va l'installer. Et les services marchands. On a zéro crédit. Gwendoline, ils en veulent pas, je sais bien. Trousse de secours, on va garder. Allez. On va demander 200 au culot. Peut-être 300. Ça n'a aucun sens. Bon, bah écoute, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Ils ont un hôpital, boutique, fleur de vitis. La baie de vitis, c'est quoi? Une petite pousse, oui, c'est rigolo. Bon, bah écoute, merci, pote. Appel terminé. Alors, on a de la place ici. On va au laboratoire. Personne veut pour l'instant. Bon. Nous, on va décoller. Et là, j'essaie de retourner justement au quartier, ou au labo plutôt. Qui va me l'installer? Ah, une autre cobaye. Et si je vérifie l'explorateur. Pour aller récolter 1. Oui, bon, bah, on sait pas ce qu'on va faire de ça. Bah, écoutez, je suis full. Nous, on y va, hein. On change de système. Je vais être très pragmatique. Ah, j'ai une alerte. Alerte météorite. Non, c'est bon. C'est bon. Alors, ici, magasin. Hardware spatial. Ok, et là, on a le passage de l'Union Vitis. Et là, c'est les esclavagistes. 833. Et ici, 41. On a une géante rouge, silice commun, boratra, fer et cuivre. On a encore de l'aluminium par contre. Bon, pour le jump, je suis pas inquiet. Voilà. Jour de mission 7. Je voudrais... Peut-être, source, ok, quartier, ok. Donc Elisa, grande tentaculaire, quelqu'un peut faire quelque chose? Je peux peut-être lui montrer la carte pour obtenir des infos. Oui, vas-y. Base de données et carte mise à jour. Merci Zoé, voilà pourquoi je l'aime. Alors, vue de la galaxie. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Ça pourrait être bien de l'amener à un astroport. Il n'y a rien de plus, hein. Pourquoi ici Kamimachi est entouré? Il y a une quête ici, d'accord. Quand on a un nom comme ça, ok. Bon bah oui. Non, c'est pas ça. Continuez, excusez-moi. Et on va fermer la carte. Alors, sachant qu'on a zéro crédit. Et un vaisseau vient de popper près du soleil. Cool. Nous, on va faire le petit tour. Est-ce qu'on va rentrer en contact avec eux?
essayer d'éviter les radiations quand même. Très beau le soleil, hein, les flammes, tout ça, on voit les gaz. Et voilà, on accélère ici à fond. On voit le trou gravitationnel encore de dingue. Alors il y a une planète magmatique centrale et on va aller sur la Lune plutôt. Voilà. C'est bon. Mise en orbite. Alors nous sommes à Ouganda. Gravité très faible, température tropicale. Il n'y a rien de la silice. La silice. Ça peut être sympa quand même. Du coup, on va envoyer notre cobaye. Simon, à toi. Faudra que je fasse toujours attention au carburant hyper jump. Je fais des tout petits sauts, donc pas le choix. Ok, gravité faible, c'est bon, je freine l'horizontale. Les rétrofusées pour descendre plus vite. On devrait y arriver pile. On se croirait dans une savane avec le soleil, c'est excellent. Le vent, quand t'as une faible gravité, c'est la mouise. Doucement. D'accord. Je suis obligé de mettre les rétrofusées. Ça consomme. 2, 3. Allez, un petit. Encore un. Troisième couche, ça devient très dangereux là. Pas que je casse quelque chose dès le départ quand même. Non, pas un sixième. Allez, on décolle. Bien joué Simon. Et à partir de maintenant, on va peut-être aller sur l'autre planète, la bleue là. Une planète polaire. Ah, et on quitte la gravité de la Lune, on n'a pas fait gaffe. Et on va croiser le vaisseau. On va essayer de communiquer, tiens. Alors, qui c'est ? Ah, manqué. Attends. Regardez qui c'est. Des esclavagistes, j'ai reconnu la couleur. On en a un à bord, est-ce qu'on peut avoir un cadeau ? Déjà, on fait la même taille. Ah, quel est ce pitoyable vaisseau en face de nous? Un vaisseau poubelle. Ah, sympa, insultant. D'accord. Montrer. Comme si sa vie nous importait. Oh, est-ce qu'on est sympa? Remettez-la nous ou oh, comme si sa vie nous apportait. Bon, on est sympa. Désagrément supportable, d'accord. Avez-vous du boulot pour des crédits? Ouais. Bon, bah. L'Union Vitis, vous êtes copain avec? D'accord. Bon bah au revoir. Collier d'esclaves. Non. Au revoir. Je suis pas esclavagiste. Alors c'était soit pour nous ou pour en mettre à des... Non, non. Vous savez quoi? On est fou. On bouge.
Ils sont encore neutres avec nous, mais là, on n'a pas besoin, finalement. On va aller voir le système où il y a une quête. Arwolf, hydrogène, commun. Pour l'instant, je peux sauter tranquille. Les hyper jump, on est bien. La branche d'Yggdrasil a fané. Ah mince! Mince, ressources, déjà. Voilà, pour carburant, c'est réglé. Le cuivre, oui. Voilà, on répare tout. Le plus rare. Et on va pas gâcher. Non, bah c'est bien. Très bien. Pierre clé, personne ne peut rien de toute façon. Même pas Zoé avec son ordinateur? Non. Et Gwendoline, et ok. Bon. Ici non plus, pas d'intérêt. Jump! Déjà on peut faire 4 jumps, c'est pas mal. Il va falloir que je trouve moyen de faire 41 crédits quand même. Avant que je puisse vendre des objets, des ressources. Peut-être falloir miner quand même, Tech. Hein. Alors, il y a des choses ici. On voit qu'il y a une quête à prendre sur l'autre planète. On va dire la première, la plus proche. Non, pas celle-là. On va aller sur l'autre. Je pense que je peux y aller quand même. Elle n'a pas l'air magmatique. J'ai quoi faire 3 jumps au total. Encore eux? On en croise partout. Hein. Eh ben vous savez quoi? On verra ça dans le prochain épisode. Ah oh ben il est parti! Il m'a laissé. Eh ben écoutez, pour un premier épisode, c'était pas mal. Je vous retrouve dans le prochain. C'était Cabon dans The Long Journey Home. On est reparti à l'aventure. Allez, au revoir tout le monde.